Salut, c'est Dark Mika. Donc aujourd'hui je vais vous montrer la partie 2 de comment monter facilement de level dans Skyrim. Donc pour cela on va en complément du forgeage qui est de la partie 1, on va aller parler à Fandal. Ce n'est pas vous et que j'ai vu parler il va à nous Sven. Parler de Sven. Sven, c'est un mec, c'est un... En tout cas, je ne m'approcherais pas de lui si j'étais vous. En fait, Sven, c'est un chanteur à l'auberge du coin. Et ils s'entendent pas du tout bien, Fendal et Sven, parce qu'ils aiment tous les deux Camilla Valerius, je crois, ouais, voilà. Comme si elle allait accepter une femme aussi. Et donc, Sven va me donner une lettre que je devrais aller donner à Camilla Valerius. Et en fait... C'est bien j'accepte fait. Là. Pourriez-vous lui apporter cette lettre et lui dire que c'est de la part de Sven ? Je pense avoir parfaitement imité la médiocrité de ce nordique. Donc il a essayé d'imiter la médiocrité de ce nordique. Donc c'est un nordique et l'autre ça doit être un elfe des bois. Voilà, ou un elfe noir, ou enfin c'est un elfe quoi. Il a des grandes oreilles. Donc là, c'est ici, hein. C'est au marché de Rivebois, vous y allez. Et je vais donner la lettre à Camellia Valerius, donc je vais mettre un petit lien en haut de la vidéo pour aller plus vite, hein, simplement. Vous n'êtes pas ici. Voilà, il faut mentir, très important, il faut lui mentir. Il faut lui dire que Sven lui a envoyé un poème, entre parenthèses. C'est comment émouvoir la gente féminine. Quoi ? Si ce mufle pense que tout ce que je suis bonne à faire, c'est le ménage, je vais... Dites à Sven qu'il a déjà une mère. Je ne veux plus le voir. Donc voilà. En fait, ce qu'il fallait faire, c'est que Fendal envoie... non, que Fendal gagne le cœur de Camilla. Donc là, je vais le dire à Sven. Prévenez-moi quand vous aurez donné la lettre à Camilla. Voilà. Je vais le dire à Fendal, putain, j'y arrive pas. J'apprécie votre aide. Tenez. Il va me donner un petit peu d'or. Je l'ai gagné en travaillant à la Syrie. Et en fait, je vais lui dire, suivez-moi, j'ai besoin de votre aide. Je vous suis. Encore là. Et je vais lui demander d'échanger quelque chose avec moi. Donc, on peut prendre tout son or, il en a 500, c'est pas mal. On prend sa clé de sa maison, on prend tout quoi. Après, on s'en fout, on pourra lui redonner. Et je vais lui demander à mieux m'apprendre des choses avec l'arc. Voilà. Donc voilà, là il peut plus rien m'apprendre. Je suis en archerie 20. Et pour qu'il puisse m'apprendre encore d'autres trucs, il faut que je monte de level. Donc je vais mettre en santé, voilà. Et après, là, il pourra me rapprendre des choses. Donc bien sûr, il vous faut de l'argent. Mais cet argent, où vous allez la gagner, ben en fait, c'est que vous pouvez toujours lui reprendre son argent. Donc voilà, c'est ça la chose. Et je remercie Geekage en cours de m'avoir délivré cette... cette astuce. Que voulez-vous que je porte ? Je vais mettre l'URL de sa chaîne. Voilà. Sur ce j'espère que ça vous a plu. On peut monter jusqu'à 50 en archerie. Après, il ne peut plus rien nous apprendre. Et voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera peut-être pour une autre astuce. Portez-vous bien. Cliquez sur j'aime. Ça nous aidera à avancer. Bye. Que voulez-vous que je porte ? Donc voilà, encore un petit truc. Fendal ne peut plus rien m'apprendre à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser la forge et me faire des dagues de fer. Comme ça, je vais faire monter mon level. Et théoriquement, je serai au level 4. Donc là, je monte encore d'un niveau. Et... il peut encore m'apprendre un truc. Voilà. Bye. Je vais vous montrer ce que je sais.